Oh, le petit son qui fait plaisir. Oh putain, oh l'écran titre qui déchire. Eh bien bonjour tout le monde, c'est Zippy des Tasters. On se retrouve pour... J'allais dire... Bah voilà, maintenant que j'ai abandonné Breath of the Wild, et j'allais dire pour la suite du Let's Play Splatoon 2, mais pas du tout, hein. Oh, une petite animation. Ah mais c'est des vrais dessins, c'est pas du pixel art là. Ah mais je crois que je l'ai déjà vu en plus cette animation. Par contre peut-être que le son est trop fort. Je vais la laisser vous... Vous allez la regarder, je vais vous la laisser. Parce que j'ai déjà vu, elle est très très jolie, très bien faite. Failli tomber. Avec la musique bien punchy et tout. Et pouf, directement dans le ring. Mais attention, il y a les gros vilains pas beaux. Et on retourne sur le putain d'écran titre. Ah, et bien je pense que c'est une petite animation qui met bien, qui donne bien la couleur du jeu, hein. Et je pense qu'on peut vraiment parler de couleur. Enfin, regarde-moi ça, regardez-moi ça. Si c'est pas beau, franchement, c'est ça pète à l'écran et tout. Ce jeu utilise un système de sauvegarde. Pff, ta gueule. Alors, on perd pas les bonnes habitudes, hein. On va voir dans les options vidéo, clair. Net, ça donne un espèce de d'effet, je sais pas si vous le voyez vous, surtout avec ma vidéo qui est franchement pas de bonne qualité, mais je peux pas faire autrement. Ça donne un espèce d'effet façon télécathodique, teinté, voilà, c'est encore pire, pas de filtre, clair. C'est quoi la différence entre clair et pas de filtre? Alors là, sur le petit écran de la Switch, je vois pas de différence. Peut-être que clair, ça aliase un peu moins, c'est plus lisse. Là, c'est vraiment du bon gros pixel. Ouais, j'ai l'impression. Vous savez quoi? On va mettre pas de filtre. Le son, musique au max, effet au max. Je réglerai ça si jamais, mais pour l'instant, on laisse comme ça. Les commandes. Alors oui, je joue avec la petite tête de chien, hein. Voilà. Lever ses yeux, s'accroupir, tourbillonner, sauter. Voilà, on est dans un platformer 2D, hein. Il n'y a pas énormément de commandes. Je pense que de toute façon, je vais m'y retrouver très vite. Si on mettait en allemand, allez, go allemand. Non, on va laisser français, hein. Je pourrais mettre en anglais, je suis pas trop mauvais en anglais, mais bon, faut pas déconner. Bonus, il y a sûrement des images, des galeries, tout ça, tout ça. Bah, pour l'instant, on peut rien voir à part les crédits. Mode mania, qu'est-ce que c'est? Oula, oulalala. Bon, vous savez quoi, ça se trouve, je ferai une vidéo dédiée à ça. Oh putain, l'effet d'électricité, mais franchement, il est hyper beau. C'est hyper fluide, ça fait plaisir. Ah mais non, mode mania, en fait, c'est tout simplement le... Je croyais qu'on était toujours dans les options, c'est pour ça. Ah mais quoique, peut-être que dans les options, il y a un truc mode mania. Non, pas du tout. Donc, mode mania, c'est le mode normal, et puis apparemment, il y a deux autres modes. Mode mania, sauvegarde indisponible. Mais pourquoi? Oui, donc apparemment on peut jouer avec en duo déjà. Apparemment, c'est ce que je comprends, hein. On peut jouer avec Knuckles, Tails et Sonic. Choisir une sauvegarde. Mais il y a combien de sauvegardes? Ça sert à quoi? Allez, nouveau. Ouh, la petite musique. Oh, pourquoi ils l'ont coupé? C'est juste pour l'intro. Oh, effet négatif. Alors ça, je pense pas que la Mega Drive était capable de gérer ça.
Et c'est parti, on est parti. Alors. Alors sachez que je n'ai jamais touché un Sonic de ma vie. Oh putain. On peut sauter sur les ennemis, on libère les petits animaux de la forêt, et puis là, bien évidemment, le fameux thème. Ah ouais, je peux le tuer. Espèce de chip-chip. Boum, boum. En fait, j'ai jamais touché un Sonic, mais je sais un peu quand même comment on se démerde. Et faut tout simplement être en boule pour tuer les ennemis, même si c'est par en dessous. Ça marche aussi. Et même que mon copain Tails, il tue les ennemis à ma place. Elle est vraiment trop bien cette musique. J'ai l'impression que c'est le même niveau que le... Là c'est niveau hommage. C'est le même niveau que le tout premier niveau du premier Sonic. Green Hill Zone. Bon, alors je le connais pas par cœur du tout, je vous l'ai dit, j'ai jamais touché un Sonic de ma vie. Enfin si, j'ai déjà touché à des Sonic, mais c'était des Sonic récents, c'était pas très bon. Ça c'est le checkpoint. Oh. Oh là là. Oh là là, je savais même pas qu'il y avait ça dans les anciens Sonic. Qu'est-ce qu'il veut faire? Faut récupérer. Non. Ah. Mais qu'est-ce que... D'accord. J'ai rien compris. Ouah. Non, qu'est-ce que j'ai foutu? Attendez, y a pas un bouton d'action, genre? Ah, c'est marrant parce que là, je saute sur place et en fait, il bouge. Je touche pas au stick, hein, ni aux flèches, parce qu'en fait, je joue aux flèches. Là, je peux regarder le en haut. Oups, ça décale l'écran. Je peux me baisser, ça va décaler l'écran aussi, ça, je le savais. Alors, je pense que pour tous les grands fans des premiers Sonic, là, je joue un peu n'importe comment. En fait, je joue comme dans un Mario. Hop 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 hop. J'ai cherché à les tuer, j'ai pas réussi. Voilà, je fais n'importe quoi en fait. Hop. Ah non, on peut pas. C'est par là. Est-ce que... Et il pousse. Alors, je sais que... Je ne sais pas quand... la manip exacte, mais je sais qu'on peut faire le... Le démarrage turbo comme ça. Mais pourquoi je saute? Ah voilà. Non. J'essaye de comprendre. Hey, bien intuité dis donc. Oh la vache. La musique est pas pareille. Casse-toi le crabe. Donnez-moi des rings. Hop. Oh, j'ai un bouclier là. Pourquoi la musique était différente? Non. Et comment on fait? Ah, la physique est pas pareille hein, dans l'eau. Oup. Ah voilà. Oup. Non, ça marche pas. Ça sent que j'ai pas encore bien le maniement en main. Ouh. Ah, les bruitages. Et n'empêche, ça fait plaisir de voir un Sonic. Moi qui ai pas pu jouer à la Mega Drive à l'époque, parce que j'étais pas né tout simplement. J'attendais vraiment qu'il fasse un Sonic comme ça, quoi. Et c'est maintenant. Mais non, mais. Ouf. Là, je sais pas si le design du niveau, enfin le level design, est exactement le même. En tout cas, le début c'était le même, je pense. Hein. Il me semble que c'était bien le niveau de Green Hill Zone, l'original. Mais là, j'ai l'impression qu'ils l'ont changé entre temps, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Oh là là, Sonic Air! Ouh!
On peut pas accélérer. Qu'est-ce que c'est que cet effet 3D là? Ouais, ça fait vraiment penser à Sonic R, mais en plus maniable hein, quand même. Faut pas déconner. Oups, chup. Ah, vous la sentez la concentration. Hop, on coupe. Ah, on peut pas. Ah, mais y a un compte à rebours, j'avais même pas vu. Faut se dépêcher. En même temps, c'est un peu le but de Sonic. C'est quoi ces bulles bleues? Je sais pas du tout. C'est peut-être juste le score. Hein. Ah, j'ai raté un gros truc là sur la gauche. Attendez, là. Je suis pas déjà passé par là en fait. Je comprends rien. Ah, j'ai raté le truc encore. Ah, mais il y a un robot du docteur Robotnik là. Ouais, j'ai encore raté le truc. Ah, mais en fait, c'est. Ah, mais c'est l'émeraude. Got a chaos emerald. Eh, ouais, c'est ça. En fait, fallait rattraper le gros robot. L'espèce de truc de Star Wars là. Et j'avais pas compris qu'en fait, pour récupérer des rings, ça augmentait le timer. What? Oh. Un boss peut-être. Ouais, attends, comment vous voulez? Comment ça? Ah merde. Alors pour ceux qui savent pas, faut absolument avoir au moins un ring sur soi, parce que si on se fait toucher sans aucun ring, eh ben on meurt. Du moment qu'on a un ring, on peut se faire toucher. Après avoir plein de rings, ça sert à rien, c'est juste du score. Petit ring! Regardez! Oh la vache! C'est King Karol! Ok, c'est bon, je crois. Wouh! Hey, le petit jingle! Je le reconnais. Deuxième acte de Green Hill Zone, c'est parti. Ouh, la tyrolienne! Paf! Ouh, you! Aïe! Aïe, ils l'ont remixé encore. Une vie! Non. Voilà. You! Mais Tails, il se prend des dégâts tout seul. Bam. On va recontinuer par là, hein, parce qu'il y a une vie. Si elle se trouve, elle a repop. Ah oui, elle a repop. Hein. Bon, tant mieux. Wow. On libère les animaux de la forêt. Qui ont été transformés en vilains robots. Ah, wow, 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 wow. J'ai encore un petit peu les réflexes de Mario, quoi, c'est-à-dire, dès que je saute sur quelqu'un, même si je suis pas en boule, je pense que je vais lui faire des dégâts, alors que pas du tout. Ouais. Je me suis pris quoi? Ah, la plateforme, elle est méchante. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Alors, en fait, je crois que c'est les checkpoints qui nous donnent des trucs comme ça. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Il s'amuse à faire du moonwalk. C'est peut-être parce que Michael Jackson a travaillé dans Sonic, hein. Ouf. Alors, pour ceux qui savent pas, il y a... Merde. Foiré. Pour ceux qui savent pas, il y a une rumeur comme quoi Michael Jackson a travaillé sur les musiques du jeu. Enfin, pas ce Sonic Mania, évidemment. Comment on fait, là? À moins de... Ah, mais ouais, mais c'est chaud.
Wop, wop. Oh, j'ai un bouclier encore. Et bam. Ouille. Ah, la musique est vraiment géniale. Remixé comme il faut. Ça fait plaisir. Ah, mais il y a un bumper. Non. Bon, ok. Voilà. Ça passe mieux comme ça. Wop. Alors, je sais pas exactement ce qui. Cette espèce de bouclier de flamme que j'ai autour de moi. Waouh, raté. Alors déjà là je sens le passage secret. Ouais, voilà. Oh, encore. Ah ouais. Boing. Boing. Alors, faites voir, est-ce que je peux faire un truc? Ah ouais, en fait faut aller dans la boule rouge. Ok, je commence à comprendre le truc, hein. Ça se trouve, c'est exactement la même chose que dans les Sonic originaux. Mais comme j'y ai pas joué, bah, je ne sais pas comment ça marche, l'esprit qu'il faut avoir, les mécaniques, tout ça. Là, je pense que je m'en sors plutôt bien. Oui, oui, oui. Bien rattrapé. Non, je fais des conneries. C'est un peu comme le Snake en fait, mais en 3D. Hop, 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 hop. Ok. Ça accélère, non? Oh la vache, ça fait presque mal aux yeux. Tellement que les couleurs, elles sont vives. Ouah. Mais oui, mais comment voulez-vous, il y a que la moitié des trucs qui sont transformés en ring, je peux pas deviner. Je peux pas y retourner. Non, ça m'aurait étonné. Le boss. Ah ouais, bah non, attendez. Ah d'accord, c'est un défilement automatique. Oh là, il va me tirer dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est une mine en forme de Robotnik. Ah mais ouais, mais... Comment je fais pour le buter? Faut attendre. Ah, faut tout simplement faire ça. Ah mais ouais, mais... Ah c'est bon, il me redonne des rings. Oh, t'avances là, Sonic. Je me demande si le truc est généré aléatoirement, Waouh. Oh, le ring. Aïe, le ring. Wop. Aïe, il accélère. C'est bon, je crois qu'il est mort. Ah, il y a un mur invisible. Et on a libéré tous les petits animaux, les lapins et les écureuils. Écoutez, si c'est en trois actes, je vais faire le troisième acte. Enfin, je vais faire cette première zone là, le Green Hill Zone. Téléportation! Oh. Ah non, je crois qu'on a terminé la première zone. Eh ouais, Chemical Plant. Ça, si, je connais cette musique. Bref, on va s'arrêter là, les gens. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais même pas si je vais le continuer. C'était juste une petite vidéo découverte. En tout cas, moi, je vais bien m'amuser sur ce petit jeu. Ça fait très plaisir. Faut savoir que c'est le Sonic le mieux noté depuis 15 ans, hein,
sur Metacritics en tout cas, le site qui recense toutes les notes de tous les sites, de tous les jeux vidéo depuis tout le temps. C'est le site d'ailleurs où vous pouvez voir que Ocarina of Time a 99 sur 100, hein. C'est le jeu le mieux noté de tous les temps. En tout cas, si on en suit ce site. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.